Salut à tous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, à la base, n'était pas prévue. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait d'avoir reçu ce matin un énorme colis de la part d'une abonnée pour mon anniversaire. Et ça m'a vraiment touchée. C'est pour ça que j'ai voulu partager tout ça avec vous. Vous allez peut-être vous demander comment elle a eu mon adresse. Tout simplement, elle avait gagné l'un de mes derniers concours et avait gardé mon adresse qui était sur le colis, en fait. Je vais donc en profiter pour vous montrer tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire et j'ai été vraiment très gâtée. Et à la fin, je vous montrerai tout ce qui se trouve à l'intérieur du colis d'Alexandra. Et je commence avec cette petite merveille. Il s'agit d'un stabilisateur pour téléphone, en fait, sous forme de perche. Ça se présente comme ça. J'avais vraiment envie d'en avoir un. C'est très efficace quand on vlogue, justement, quand on marche vite, quand on descend des escaliers, quand comme ça, il n'y a plus de secousses. En fait, ça épouse tous les mouvements. On vient le poser sur une surface plate. On appuie trois fois. On attend et après on appuie sur ce bouton et là ça se met en position. En plus ça va venir capter en fait le visage donc ça va vraiment suivre. J'ai hâte de faire des vlogs vraiment donc ça s'utilise pour les téléphones portables. C'est top. J'ai eu deux coussins rectangulaires que j'ai déjà disposés dans mon salon sur mon canapé. J'en ai déjà deux de ce type dans mon bureau et ça vient de chez Maison du Monde. J'adore. Ensuite, cette énorme boîte Longchamp. C'est la première fois que je reçois un sac, on va dire, de luxe. À l'intérieur, bien évidemment, on a la pochette Longchamp et le sac. Donc apparemment, c'est la toute nouvelle collection. Ça sent le cuir et le sac donc se présente comme ça. On a l'anse, le logo Longchamp qui est tout du long. L'intérieur, magnifique. Moi, je découvre, hein, je ne connaissais pas. On a également la petite bride pour attacher les clés. Il est magnifique, donc j'ai hâte de le remplir, hein, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé. Et surtout, de le porter. La nouvelle palette Urban Decay Born to Run. On a un visuel super original quand on ouvre la boîte. On a l'impression d'avoir vraiment tout un tas de photos Insta. Ça, c'est super sympa. Et à l'intérieur, on a 21 teintes, donc des ombres à paupières, du mat, de l'irisé, des teintes chaudes. Alors ça, c'est vraiment la Punk, par exemple. C'est celle que j'utilise à fond. J'adore. Et le miroir est super joli. Toujours dans la partie beauté, le kit de la marque Believe. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très peu connu, en fait. On a donc le contour des yeux. À la base, c'est ça que je voulais pour le tester. Il paraît qu'il est canon. De toute façon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Apparemment, c'est le meilleur contour des yeux qui soit. Ça va venir en décongestionner, enlever les poches, les cernes. Le sérum également et en grand format, la crème de jour. Voilà, ça c'est typiquement le genre de cadeau que j'adore recevoir également. On continue ce kit avec 5 pinceaux. On a 2 pinceaux pour les yeux, 3 pinceaux pour le teint, pour venir appliquer l'anti-cerne, le blush, la poudre et une très jolie pochette au fond. Un kit d'infusion avec de l'angélique, de l'aubépine, orangée, passiflore, marjolaine, mélisse, tilleul et réglisse. Et on vient composer nous-mêmes nos propres infusions. Et comme j'avais le sac, je sais que ça vient de chez Nature et Découverte. Cette très grande serviette de bain, donc moi j'adore surtout l'hiver quand on sort de la douche, j'aime bien être enroulée vraiment dans une grande serviette. Elle est de couleur parme, ultra douce. Ça, c'est top aussi. Et c'est donc le moment où je vous présente le colis d'Alexandra. Un grand merci à toi. Je peux vous dire qu'elle n'a pas fait semblant, il y a de tout. Et surtout, je me suis rendu compte qu'elle me connaissait très bien et qu'elle regardait du coup toutes mes vidéos parce qu'il y a plein de choses. Bah, c'est moi un peu, quoi. Je commence avec ce grand pêle-mêle de cadre avec du tissu noir et blanc, typiquement le genre de déco que je mets au mur. Une superbe bougie romantique et authentique. Fleur de coton, donc ça sent divinement bon. Et puis bah, voilà, elle est juste super belle. La petite sœur, toute mignonne également. Sous forme de jarre, ça sent bon aussi. C'est Magnolia, un distributeur de mémo. Il est grand temps de rallumer les étoiles Guillaume Apollinaire. Très utile aussi. Elle m'a mis donc une pochette et à l'intérieur, bah, on a tout un tas de produits. Un masque Sephora, masque visage halal. Je ne connais pas en plus celui-là, c'est génial. On a de l'eau micellaire Sephora pour le visage. Et les yeux, c'est un liquide palissade en fait pour c'est du blanc pour venir mettre au bout des ongles et pour faire des jolis nail art. Un petit rouge à lèvres, je n'avais jamais vu ça, il est beau comme tout. Et à l'intérieur, regardez-moi ça, on a une petite fleur très gourmand, c'est super joli, j'ai même pas envie d'utiliser tellement il est beau. Et c'est marqué waterproof. Elle m'a glissé de la marque Bioderma un nettoyant douceur pour le visage, donc top. De la marque Evoluderm, une crème gommante
hydratante et un tout petit vernis trop chou OPI, donc rouge intense. Un petit cadre comme ça, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pareil, là, si elle me connaît pas, je sais plus, du washi tape, voilà, ils sont super jolis. J'ai vraiment pas ce genre de coloris, ça fait un petit peu sirène. Un kit pour les ongles, on a vraiment de tout, hein, la lime à ongles, la petite brosse, c'est trop chou. Des petites pinces en bois avec de la corde, humeur, amour, joie, bonheur et surprise. Un petit cahier, les 8e merveilles du monde, ça j'utilise aussi à fond. Des stickers pour le corps, c'est adorable. Voilà, c'est dommage, l'été est fini, mais voilà, j'adore, qu'est-ce que c'est joli. Elle m'a mis également un petit cœur support pour photo. Ah, je peux même le customiser. Et aussi, évidemment, une très chouette carte. C'est top. J'espère que ça te plaira. Je choisis des petits trucs sympas pour que tu aies DIY, car je sais à quel point tu aimes ça. Et moi, j'adore tes vidéos, je t'embrasse. Enfin, voilà, adorable. Bah écoutez, c'est tout pour cette présentation. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !